Je sais pas si... Ouais, je vais essayer de parler fort, mais vous me dites si jamais je parle pas fort, comme ça vous me faites. Alors, je suis super content d'être là, à Rennes. La dernière fois, c'était pour Socrates Rennes, et j'ai beaucoup aimé la dynamique, l'organisation, tout. Et aujourd'hui, en fait, je viens vous parler du savoir-craft, apprendre et transmettre le savoir-craft. Alors, ça va être principalement un retour d'expérience sur des projets où j'ai travaillé, j'ai mis en place des choses par rapport à cette thématique-là. Mais je m'inspire beaucoup d'autres domaines qui n'ont rien à voir avec le développement logiciel, notamment tout ce qui est coaching sportif. Alors, ce que j'aime dans le sport, c'est que le feedback, il est en fait direct. Ça veut dire qu'en gros, si jamais on n'a pas une hygiène de vie qui nous permet en fait de faire du sport, bah derrière, on va voir ça rapidement en fait lorsqu'on va exercer en fait l'activité. Dans l'informatique, on n'a pas ça. On a tous participé à des pots de départ, on a fait des nuits blanches et le lendemain, on vient travailler et on dit bah, « moi, en fait, même si j'ai fait une nuit blanche, je vais réussir quand même en fait, à développer et je vais être en forme ». Si on fait la même chose dans le sport, bah, c'est sûr en fait, qu'on pourrait en fait, se blesser. Moi, je sais en fait, que les blessures les plus graves que j'ai eues, c'était en fait, lorsque je suis allé en fait, faire du sport et que j'ai peu dormi. Je peux donner en fait, plein d'exemples comme ça. Si on ne boit pas assez, bah si en fait on ne va pas faire attention à la nourriture et on va aller en fait exercer en fait du sport, on a en fait le feedback rapidement. Lorsque je mange des viennoiseries et après en fait je vais courir 5 km, c'est sûr en fait que je vais regretter en fait ce que j'ai fait. Dans l'informatique, on n'a pas ça. Et du coup, en fait, ce que j'aime bien en fait dans tout ce qui est en fait entraînement en fait sportif, c'est cette possibilité en fait tout de suite avoir en fait l'impact de ce qu'on fait sur l'activité. Alors qui dit blessure, qui en dit encore en fait kiné, et du coup lorsqu'on va en fait voir le kiné, il faut comprendre pourquoi en fait on se blesse. Des fois bah, parce qu'on fait en fait beaucoup du sport, on va pas prendre le temps de récupérer, de se reposer. Et dans l'informatique, ce qui est vrai, c'est que si en fait on fait beaucoup de kata ou on participe à plein de meet-up, je pense à quelques personnes, et du coup c'est sûr en fait que derrière on va pas se blesser, mais quand même il faut se reposer. Et il faut savoir en fait que dans le sport, pour progresser, c'est plus la récupération et le repos qui va nous permettre d'avancer et de s'améliorer. L'orthophoniste encore, j'ai la voix éraillée. C'est depuis que je suis petit, je parle mal et je me suis rendu compte en fait de ça assez tard. Et du coup, je travaille avec une orthophoniste, je pense à elle parce que c'est une personne en fait qui a beaucoup de savoir-faire. Et sa façon de structurer en fait les séances lorsque je bosse avec elle m'apprend beaucoup de choses. Plein de choses que je peux appliquer en fait dans le coaching. Et du coup, avant d'arriver, j'ai essayé en fait de suivre un peu ses conseils. Alors j'ai un peu en fait la voix éraillée, mais on va voir au fur et à mesure si en fait derrière je vais réussir à parler sans cet éraillement. Et puis j'ai travaillé beaucoup avec Rémi Saint-Laville, on a expérimenté pas mal de choses. Rémi, il participe au comité d'organisation d'Alpcraft et du coup on avait un créneau tous les vendredis matins pour discuter un peu de tout ce qui est en fait apprentissage parce que c'est un sujet qui nous intéresse et Rémi en fait c'est lui qui m'a proposé d'abord de parler de ce sujet à Alpcraft en 2019. Mais le contenu a complètement changé, du coup c'est plus du tout en fait le même contenu. Alors, je suis Oussam Faki, j'ai un background technique, j'étais développeur, tech lead, scrum master, CTO d'une boîte, d'une cinquantaine de consultants, puis CTO, oui, je peux dire practice leader, en fait, d'une autre boîte dans la partie génie logiciel où je suis resté, en fait, quelques mois. Aujourd'hui, je travaille, en fait, sur un projet avec deux équipes en tant que scrum master pour l'instant, mais il y a beaucoup des choses à expérimenter en fait avec cette équipe. Alors je ne vais pas en parler en fait ce soir, mais en fait je parlerai en fait peut-être dans un an ou en fait peut-être à la prochaine édition de Socrates Rennes. Et j'ai écrit un livre, j'ai co-écrit un livre sur Turcraft. Du coup j'avais une question pour vous, qui a déjà acheté ce livre? Si, à main levée. Ah bah parfait, bah très bien. Et c'était en fait, voilà, en fait juste en fait un feedback par rapport à ce livre que j'ai coécrit avec des anciens collègues. Et je m'intéresse beaucoup à tout ce qui est conférence, format open space. Et je voulais savoir qui a déjà participé à Socrates Rennes. Ok, parfait. Qui ne connaît pas le format open space? Ok, très bien. Parfait. Et qui connaît Socrates France? Ok, très bien. Bah, Socrates Rennes a plus de succès que Socrates France, c'est déjà très bien. Voilà. Et du coup, ouais,
Pour l'open space, je vous conseille, en fait, pour les personnes qui ne connaissent pas le format, de lire un article d'Arnaud Lemaire. Et il l'a rédigé en fait en français. C'est un excellent en fait article. Aujourd'hui, c'est pas l'objectif en fait d'en parler. Moi, ce qui m'intéresse juste, c'est une loi, la loi de la mobilité que j'aime beaucoup. Cette loi, en fait, elle dit que lorsque vous participez à une discussion, elle nous encourage à avoir la liberté de quitter une discussion sans que l'orateur prend ça en fait d'une manière personnelle. Et du coup, j'aime beaucoup parler de ça. Et lorsque en fait je parle, si jamais il y a quelqu'un qui souhaite en fait partir, n'hésitez pas en fait à le faire. Je le prendrai pas en fait d'une manière en fait personnelle. Et derrière, je vous encourage vraiment en fait à l'appliquer lorsque vous participez à des conférences, parce que ça vous permet en fait derrière en fait voilà de gérer en fait votre temps et d'aller en fait voir les choses en fait qui vous intéressent. Et c'est très bien. Et ici, en fait, j'ai juste remis un peu en fait la description. Alors ça, cette partie en fait je l'aime pas trop, mais j'étais obligé quand même en fait d'envoyer en fait le descriptif parce que l'organisation avait besoin en fait de mettre à jour en fait le meet-up. Mais ce qui m'intéresse dans ça, c'est la veille collective dynamique, et je pense que c'est un sujet où en fait derrière on a en fait des choses assez intéressantes à faire, c'est de travailler en fait la veille au niveau des équipes et au niveau en fait des sociétés. Alors je vais partir en fait à partir des constats, comme ça en fait au moins je vous dis pourquoi en fait je me suis intéressé tout le temps à mettre ou à travailler sur un parcours ou sur en fait un peu ce savoir-faire en fait craft. Le constat, c'est qu'on a souvent peu de temps qui est dédié en fait pour la formation. Ça veut dire qu'en gros, ben, on arrive là maintenant en fait on commence à avoir des sociétés qui vont donner en fait peut-être, des fois on appelle ça un budget de formation, mais il y a en fait peu de sociétés qui accordent beaucoup d'importance pour la formation. Et du coup, lorsqu'on fait du développement, à chaque fois qu'on a envie de monter en compétence, c'est quelque chose qu'on va faire souvent sur notre temps perso ou en fait pendant le week-end. Et du coup, bah, un appel, avoir en fait un budget de formation, ça permet encore d'intégrer en fait ça au niveau des équipes, et derrière c'est bénéfique en fait pour les sociétés. Il n'y a pas de formation commune. Et ça encore, en fait, c'est un autre problème. Ça veut dire qu'en gros, on a souvent en fait tendance, lorsqu'on arrive en fait dans une boîte, bah, de penser en fait qu'une fois que j'arrive dans la boîte, rapidement, j'ai déjà le savoir-faire en fait de la boîte. Quelqu'un en fait qui n'a jamais travaillé chez Google, une fois qu'il arrive chez Google, rapidement, en fait, on va dire, ah, il est chez Google. Pourtant, il vient d'arriver. Et lorsqu'on en fait on arrive, il y a en fait tout le savoir-faire de la boîte qu'on a besoin qu'un en fait de l'assimiler, de derrière en fait le comprendre, et le manque en fait de formation commune fait en fait que des fois dans les sociétés on va pas avoir en fait le même, je dirais en fait savoir-faire, le même niveau de connaissance. Alors je précise tout de suite, l'idée non plus c'est pas en fait d'avoir en fait des robots ou des personnes qui maîtrisent en fait les mêmes connaissances, le même savoir-faire, mais par contre il faudrait en fait, je pense, et c'est super indispensable et utile, de se mettre d'accord sur un noyau qui est maîtrisé par tout le monde, et après naturellement on va avoir des connaissances de savoir-faire en fait qui sont en fait différents et qui sont liés en fait à des thématiques en fait différentes. Mais ce socle commun, j'ai pas vu en fait beaucoup de sociétés qui travaillent sur ce socle commun. Manque de sécurité psychologique. Je te remercie pour le talk que tu as fait à Socrates Rennes. Du coup, en fait, j'ai dit en fait, vu que tu t'en parles en fait super bien, du coup, en fait, je vais pas beaucoup en fait en parler, mais juste en fait pour dire que des fois, lorsque on n'a pas en fait le droit en fait de dire en fait je sais pas, ou derrière en fait de sentir en fait la liberté en fait de discuter, ça encore c'est quelque chose en fait qui empêche d'apprendre en fait tout ce qui est en fait savoir-faire. Et souvent lorsqu'on va travailler encore en fait sur par exemple en fait des compétences, on va rester en fait focalisé sur une ou deux familles en fait de compétences, et ça va être tout le temps en fait la partie technique, tandis qu'il y a des choses, enfin pas, il y a que des choses, la partie technique elle est super intéressante parce que lorsqu'on est développeur, ben, naturellement il faudrait en fait qu'on maîtrise en fait le langage de programmation. Et on apprend le langage de programmation comme on parle français, sauf en fait que des fois, il n'y a pas en fait que ça. Un développeur, il devrait en fait maîtriser la partie technique, mais en plus, il devrait encore maîtriser plein d'autres compétences que nous allons développer plus tard. Et il n'y a pas de programmation, mais pas programmation dans le sens développement logiciel, programmation dans le sens où lorsque j'ai plein de familles de compétences, et ben, quelle est la répartition que je devrais en fait avoir, que j'ai envie en fait d'avoir ? Est-ce qu'il faut juste que je sois en fait dans la partie agile,
Est-ce qu'il faut juste en fait que ça soit expertise technique? Est-ce que il faut juste en fait que je travaille en fait un peu sur les compétences de travail en équipe? Cette répartition, elle est super importante et je fais souvent la ressemblance en fait avec les recettes. C'est-à-dire qu'en gros, bah, lorsqu'on va en fait préparer des fois un plat, et bah, dans la recette, si, je ne sais pas, ça me fait penser, il y a 2 semaines, j'ai fait une marinade et j'ai mis beaucoup de coriandre. Alors je sais en fait qu'il y a plein de personnes en fait qui n'aiment pas la coriandre, mais j'en ai mis tellement que en fait derrière, ce n'était pas bon. C'était avec du poulet en fait, pour partager en fait tout en fait avec vous. Et des fois, cette répartition en termes de quantité, elle est super importante. Et dans le développement, on ne travaille pas beaucoup en fait cette répartition, ce qui pourrait en fait être des fois un peu dommage. Alors des fois, il y a des personnes, je reste en fait dans le monde de la cuisine, hein, qui vont en fait un peu dire, bon, en fait, je vais improviser. Alors c'est bien en fait d'improviser, ça c'est sûr en fait et certain, mais on n'est jamais sûr du résultat. Et du coup, improviser pour tester, pour essayer en fait de trouver des nouvelles recettes, c'est très bien, sauf que quand même, il faut capitaliser en fait sur cette notion en fait de programmation qui est en fait une notion pour moi qui est super importante. Et puis en termes en fait des katas, on va rester sur un seul niveau d'entraînement. Je ne vais pas rentrer trop dans le détail parce qu'après j'ai en fait des choses graphiques où en fait derrière c'est beaucoup plus parlant. Et puis en fait les niveaux. Alors je ne sais pas s'il y a des personnes qui font de la reconversion en fait dans la salle ici. Ouais, ok, bah, c'est très bien. Moi, par exemple, dans l'équipe où je travaille, il y a des personnes qui font en fait de la reconversion. Moi-même, en fait, ma formation d'origine n'est pas informatique. Et ce qui est vrai, c'est lorsqu'on a des juniors, des personnes en reconversion ou en fait des personnes seniors, des fois, cette hétérogénéité en fait n'est pas prise en compte dans la vie en fait de l'équipe. Et du coup, souvent, on va se retrouver avec en fait des juniors en fait qui n'osent pas donner un avis en fait différent parce que les personnes qui sont les personnes les plus expertes ont toujours raison. Or, je ne suis pas en train de dire voilà, en fait, derrière que les seniors n'ont pas raison, mais c'est juste, en fait, derrière, ce n'est pas parce que j'ai fait de la reconversion que mon avis ne compte pas. Et pareil, ce n'est pas parce que je viens en fait, d'être diplômé que mon avis ne compte pas. Chaque personne devrait en fait, avoir des compétences sur des sujets en fait différents. Moi, je me rappelle que j'ai travaillé avec quelqu'un qui maîtrisait Linux et que derrière, c'était lui en fait, il était diplômé, jeune diplômé, c'est lui qui m'apprenait Linux et lorsque j'avais des problèmes avec Linux, c'est lui en fait qui décidait parce que c'était ses compétences à lui. Et l'évaluation personnelle, le sujet tabou, c'est-à-dire qu'en gros, on ne souhaite pas dire, ok, bah, moi en fait, si j'ai envie en fait aujourd'hui de savoir, de me positionner, de savoir en fait mon niveau, là en fait je vais prendre tout de suite un exemple en fait du sport. Ben, si j'ai envie de faire par exemple 10 km et que j'ai envie en fait de savoir dans combien de temps je fais 10 km et après mettre un programme pour savoir si j'ai progressé ou pas, ça dans le sport il n'y a aucun problème. C'est quelque chose en fait qui est très, je dirais, en fait normal. Dans le monde en fait du développement, impossible. Dès qu'on va, je suis sûr et certain que plein de développeurs, même en fait dans la communauté craft, lorsqu'on va voir en fait le mot évaluation, rapidement il va y avoir en fait tous les red lights qui vont s'allumer et derrière les gens en fait ils n'aiment pas en fait l'évaluation. Alors il y a des raisons, hein. Je suis pas en train de dire que ça vient de nulle part. Pourquoi? Parce que lorsqu'on parle évaluation, ça veut dire en fait forcément salaire, ça veut dire forcément qu'on est en train de comparer les personnes entre elles. Sauf que pour moi, l'évaluation, elle est importante parce que comme dans la course, si jamais par exemple, je vais mettre une programmation, je vais mettre en fait un programme pour avancer, j'ai besoin de savoir est-ce que je suis en train de progresser. Et pour ça, c'est important quand même de travailler en fait sur cette notion. Alors peut-être qu'il faut changer le mot, je ne sais pas en fait c'est quoi la solution, mais en tout cas je sais qu'il y a besoin quand même lorsqu'on travaille avec des personnes, qu'on va en fait coacher en fait des personnes, qu'on a besoin quand même en fait d'avoir en fait une certaine évaluation, mais il ne faut pas non plus que ça braque les personnes et il ne faut pas que ça soit un outil qui est utilisé par le management pour derrière ne pas accorder en fait d'augmentation. Du coup, pour les formats, par rapport toujours en fait à cette thématique de transmission et cette thématique en fait d'apprentissage, il y en a plusieurs. Alors, définir un parcours de formation en commun, moi je l'ai essayé, on l'a fait en fait dans une boîte sur 5 semaines. C'était une grande réussite et au niveau de la valeur ajoutée, lorsqu'on allait voir en fait les clients, c'était avec des personnes qui étaient juniors.
ils arrivaient chez nous, ils suivaient, en fait, c'était 4 semaines en fait, de training, et après, ils arrivaient chez le client, et les clients arrivaient à distinguer, en fait, un peu toute la valeur, en fait, ajoutée. Alors, je sais, en fait, que 4 semaines, ça pourrait être énorme pour des entreprises, mais on peut, en fait, de finir ce parcours de formation sur 1 jour, 2 jours, 3 jours, 1 semaine, réparti peut-être, mais en fait, il y a une importance quand même d'avoir un parcours de formation qui est commun et qui va représenter un noyau où les connaissances sont partagées, parce qu'après, ça va créer une certaine culture commune au niveau de l'entreprise qui, moi, en fait, cette culture commune m'a surpris lorsque on a travaillé sur ça dans mon boîte d'avant. Il y a des événements encore, en fait, sous forme de séminaires internes qui pourraient, en fait, avoir un autre intérêt, c'est-à-dire qu'en gros, dans ces événements-là, bah, comme je l'ai déjà dit, même si on peut partager un noyau commun, on pourrait encore avoir des connaissances qui sont différentes. Et si on va appliquer le format Open Space, moi je suis un grand fan de ce format Open Space, et que derrière, on va partager en fait sous ce format où tout le monde pourrait en fait choisir en fait sa programmation. Ça, c'est un autre format qui va encourager en quelque sorte la transmission et encore en fait l'apprentissage. Tout ce qui est formation externe, ça permet d'avoir un regard neuf, quelqu'un en fait qui vient, qui va en fait après avoir peut-être des connaissances sur un sujet qui est pointu, ça pourrait encore être intéressant. Et les conférences et les meet-up, parce qu'on a besoin de savoir dans la communauté, bah, les personnes qui font de la veille, sur quel sujet en fait ils travaillent, et ça nous permet en fait de gagner du temps. Les contributions individuelles encore sont intéressantes. Écrire un livre, par exemple. Moi, en fait, j'ai co-écrit un livre. Alors, autant, en fait, au niveau du développement, je m'intéresse à tout ce qui est craft. Et du coup, écrire un livre, ben, j'ai dit, on va essayer quand, en fait, d'appliquer en fait, tout le savoir-faire qu'on a dans le craft. Et ben, c'était pas gagné. Parce que, voilà, en fait, je ne donnerai pas plus de détails déjà, en fait, qu'on est filmé. Mais en tout cas, voilà, en fait, derrière, c'est un challenge, en fait, pour voir, OK, ben, moi, en fait, j'applique, en fait, un certain nombre de concepts sur un sujet. Ben, si je fais, en fait, j'ai un autre projet, derrière, qu'est-ce que ça pourrait, en fait, donner? Pareil pour l'écriture d'articles dans des blogs, magazines, même organiser un événement, ça pourrait être intéressant, animer un meet-up, ça pourrait être intéressant. Et derrière, l'engagement, en tout cas dans la communauté, c'est tout le temps un investissement gagnant. Moi, par exemple, j'ai organisé Socrates France, lorsque on a travaillé sur le training en fait, de 4 semaines, je me suis inspiré de toutes les problématiques que j'avais en tant qu'organisateur pour créer des katas, inspiré de la vraie vie, parce que c'était des vrais problèmes. Et derrière, bah, lorsque j'ai commencé à organiser en fait Socrates France, j'avais pas du tout en fait en tête que dans 2 ans en fait ou 2 ans plus tard que je vais quand même en fait travailler sur des katas qui sont inspirés de ce travail d'organisation. Peut-être s'assurer que tout le monde sait de quoi on parle quand on parle de kata. Oui, est-ce que le mot kata, est-ce qu'il y a quelqu'un qui sait pas ce que c'est un kata? Parfait. Alors kata, ça vient en fait des arts martiaux. Ça veut dire qu'en gros, on va prendre en fait un mouvement et on va essayer de le répéter et le répéter et le répéter dans des conditions différentes, dans des environnements différents. Et l'idée, en fait, c'est de maîtriser en fait ce mouvement pour que ça devienne un réflexe naturel. Et un kata, bah, lorsqu'on a employé en fait ce mot en fait dans le développement, on a pris des exercices techniques. Et l'idée, c'est prendre des katas qui sont connus. Par exemple, si je vais dire fist buzz, je pense que tout le monde en fait sait ce que c'est fist buzz. Ou si on ne sait pas ce que c'est fist buzz, c'est pas non plus en fait problématique. Et bah, des fois avec fist buzz, on a fait tellement de formats où on pourrait en fait implémenter en fait ce kata avec en fait plein de méthodes, plein de contraintes, juste dans l'objectif de apprendre et de monter en compétence. N'hésitez pas, si j'emploie un mot derrière, en fait, de me demander en fait ce que ça veut dire, parce que c'est vrai, en fait, je connais pas en fait l'audience, et que après, comme on a dit, en fait, je pars sur le principe qu'on est dans un meet-up où on a et on peut se permettre de dire en fait je sais pas, et il n'y a pas de jugement. Et du coup, ça tombe bien parce que je voulais dire en fait que si jamais je souhaite transmettre ou échanger ou derrière en fait mettre en place, travailler sur des formations, avoir en fait cette transmission, cet apprentissage, je pense que la culture, c'est en fait le point de départ. Si
je vais pas en fait dire aux gens comment en fait ça fonctionne, qu'ils ont le droit en fait de se tromper, qu'ils ont le droit de faire des erreurs, que derrière ils ont le droit de dire non, ils ont en fait le droit en fait encore de dire j'ai pas compris, bah ça va pas marcher. Souvent en fait lorsque on commence en fait à travailler, on arrive dans le monde en fait du travail, on a tout le temps en fait peur. On a tout le temps peur de dire je sais pas. On a tout le temps peur de donner notre avis parce que il y a en fait ce jugement, parce que en fait derrière il y a en fait voilà, on va commencer en fait à blâmer d'autres personnes et en réalité les problèmes viennent souvent de nos pratiques. Et moi j'ai appris ça parce que comme tout le monde, hein, lorsque j'ai commencé en fait au travail, pour moi, bah fallait jamais dire en fait que c'est de ma faute, fallait en fait jamais tout le temps en fait aller chercher en fait un coupable. Et je pense que la mission qui m'a permis en fait vraiment en fait de complètement changer en fait un peu de perspective, c'était chez un client Bissam avec quelqu'un qui s'appelle Boris Gounon, et qui était en fait le tech lead de l'équipe. Et lui, il disait que en fait il faut tout le temps partir du principe que tous nos collègues font de leur mieux pour faire du bon travail. Et si jamais en fait la qualité n'est pas au rendez-vous, c'est que dans les pratiques de l'équipe, il y a quelque chose où ça ne va pas. Et moi, en fait, ce que j'ajoute en fait par rapport à ce que j'ai appris de Boris, c'est que tout le temps, il va y avoir en fait des moments où on n'est pas content en fait du résultat. Ça veut dire qu'en gros, ça n'existe pas des équipes qui en fait tout le temps, bah, ils vont faire en fait un travail en fait excellent. À chaque fois qu'on travaille, qu'on livre, qu'on est en train en fait d'avancer sur un sujet, bah des fois la qualité n'est pas au rendez-vous, des fois on n'est pas content en fait du résultat. Et là, les équipes qui sont en fait autonomes, les équipes qui ont envie en fait d'avancer, bah il faudrait en fait d'abord de voir en fait pourquoi le résultat n'est pas au rendez-vous et après essayer de faire une analyse en fait factuelle. Puis derrière, essayer de comprendre qu'est-ce qu'on peut changer dans nos pratiques pour éviter en fait d'avoir ça. Et lorsque vous travaillez et que vous allez instaurer en fait ce type de climat, après en fait derrière, lorsqu'il y a des discussions, les gens ne vont pas être, toute l'énergie n'est plus en fait pour justifier pourquoi en fait il y a eu en fait ça. L'énergie en fait, elle va être focalisée pour dire qu'est-ce qu'on peut changer en fait dans les pratiques, qu'est-ce qu'on peut faire pour comprendre d'où vient le problème. Et pour moi, lorsque j'ai compris ça, c'est vrai en fait que ça a complètement changé en fait ma vision et ma perspective. Par contre, ça c'était super intéressant. Pourquoi ? Parce qu'il y avait le tech lead qui portait ce sujet. Tandis qu'aujourd'hui, en fait, par exemple, je dis ça à un junior qui arrive dans une équipe, ça ne va pas marcher. Il faut en fait que ça vienne en fait de toutes les personnes qui sont responsables en fait de mettre en place cette culture-là. Et derrière, c'est un travail qui pourrait en fait prendre du temps. Mais en fait, c'est un travail, je pense, qui est nécessaire pour qu'on travaille d'une manière sereine. Favoriser encore les communications bidirectionnelles, ce que je veux dire par là, c'est que lorsqu'on est dans le monde de l'entreprise, il n'y a plus en fait ce rapport prof-étudiant. Et du coup, lorsque je viens en fait vous parler, par exemple, moi, bon, j'ai un avantage dans le sens où c'est moi qui parle, c'est moi en fait qui ai les slides, mais ça ne veut pas dire en fait que ce que je suis en train de dire est forcément correct et que c'est tout à fait en fait normal que vous êtes en train en fait voilà en fait d'écouter en fait un peu en fait mon discours, mais vous pouvez ne pas être d'accord. Et dans les formations, lorsqu'il y a quelqu'un en fait qui vient en fait pour donner un cours ou pour animer en fait une formation, c'est le cas. Et il faudrait en fait vraiment en fait dire que la seule différence, c'est que la personne a préparé un peu plus en fait que les autres. Mais par contre, derrière, cette personne, ou même nous, enfin les apprentis, ont le droit en fait de challenger en fait ce qui est présenté et de poser en fait des questions pour mieux comprendre. Et pareil, dans cette partie-là, ça s'applique encore pour l'expertise. C'est-à-dire qu'en gros, en fait, il y a un sujet, toujours en fait avec mon exemple en fait en Linux, bah, si moi j'ai jamais fait de Linux, ok, j'ai beau eu en fait plus d'expérience que enfin la personne de l'époque en fait c'était Florian mais en fait Florian qui vient d'être diplômé, c'est lui qui a la maîtrise en fait du sujet. Et puis un point super important, et ça c'est vraiment pour moi essentiel, c'est se détacher en fait de notre travail. Se détacher de notre travail, ça veut dire qu'en gros en fait moi j'ai fait un travail, j'ai fait mon code. Mais j'ai fait mon code, mais par contre derrière, je devrais en fait être capable, une fois que j'ai fini avec mon code, de regarder mon code et de critiquer mon code s'il y a quelque chose en fait que je critique. J'ai fait cette présentation. Alors je sais que j'ai fait de mon mieux pour faire une excellente présentation,
Mais si jamais, par exemple, aujourd'hui, il y a eu en fait des choses dans ma journée qui ont, je dirais, en fait, influencé un peu ma façon en fait de donner en fait ce talk-là, c'est pas grave. Je sais en fait que j'ai fait de mon mieux, mais après, derrière, demain, ou en fait, je sais pas, dans 10 jours, ou peut-être en fait dans 1 an, dans 2 ans, je vais regarder la vidéo et j'espère en fait que j'aurai en fait un détachement qui permet de dire « Ah tiens, en fait là, j'ai bien présenté ce concept. Ah là, en fait, derrière, en fait, j'étais pas du tout en fait à la hauteur. » Mais ce que je sais, c'est que j'ai fait de mon mieux en fait pour faire une excellente présentation. Et après, par contre, une fois que la présentation elle est faite, il faudrait qu'on soit détaché de notre travail, parce que des fois, en fait, la vie pourrait être en fait des fois en fait compliquée. On pourrait avoir, je sais pas, des événements qui peuvent en fait impacter en fait notre travail. Et du coup, si jamais on a mal dormi, c'est tout à fait normal en fait des fois qu'au niveau en fait du code, qu'on pourrait écrire un code qui n'est pas peut-être assez clean, assez structuré. Mais lorsqu'on a en fait des discussions, si jamais en fait à chaque fois qu'il va y avoir quelqu'un qui va nous faire un retour sur notre code et que nous en fait derrière rapidement en fait on va sentir en fait que c'est personnel, c'est sûr qu'on va pas pouvoir avancer. Et le fait de se détacher, ça nous permet en fait derrière d'accepter en fait les critiques ou en fait derrière les retours en fait des personnes. Et puis c'est comme ça en fait qu'on va avancer et qu'on va apprendre. Du coup. Sur la partie en fait transmission, ce qu'il faut savoir en fait, c'est un point important dans la transmission, c'est qu'il faut qu'elle soit incrémentale. Ça veut dire qu'en gros, demain, il y a en fait quelqu'un qui vient en fait de commencer dans le monde du développement et qu'on a envie en fait de commencer à lui expliquer en fait des concepts. On ne peut pas commencer par lui expliquer des DD. C'est pas pertinent. Il faut vraiment en fait que ça soit incrémental, de s'assurer en fait que les personnes maîtrisent les fondamentaux. Tout à l'heure, par exemple, Pascal, il m'a dit « Ah, fais attention, peut-être que le mot kata n'est pas en fait un mot qui est en fait compris par tout le monde. » Et ça, c'est excellent. Pourquoi ? Parce que ça nous permet en fait de s'assurer que en fait, tout le monde a compris en fait les fondamentaux. Et puis, lorsqu'on va en fait transmettre, aller chercher en fait un peu les fondamentaux, ça nous permet de préparer en fait notre sujet et derrière d'apprendre encore. C'est-à-dire qu'en gros, moi je me rappelle, lorsqu'on était en train de préparer, par exemple, le training sur 4 semaines, on préparait le « outside in » et dans le « outside in », moi, sans faire exprès, je savais en fait qu'il y avait des prérequis. Par contre, lorsque j'ai commencé en fait à préparer en fait cette partie en fait du training, on a regardé, on a dit non, en fait, pour préparer le outside in, on est obligé par exemple de maîtriser le tel dans task avant, de savoir le double loop TDD, de savoir en fait le test double, tous ces sujets-là qui sont en fait des prérequis. Et du coup, même si j'étais en train de préparer pour transmettre, mais le fait en fait de préparer, ça m'a permis encore d'apprendre sur ce sujet. Binomage, pour moi, en fait, c'est un des meilleurs moyens en fait pour faire de la transmission. Alors mob, il faut que je change en teaming, et c'était pour faire plaisir en fait à Adrien. Binomage, par contre, lorsque c'est fait en fait d'une façon équilibrée, parce que des fois, on peut faire du binomage. Et j'ai déjà vu, en fait, par exemple, des sessions de binomage où derrière, il y a quelqu'un qui écrit, quelqu'un qui prend toutes les décisions et l'autre personne est en train de regarder. Et ça, ce n'est pas du binomage du tout. Par contre, le binomage, c'est lorsque, par exemple, on va en fait, avoir des avis en fait, équilibrés, qu'on va en fait, faire de la coordination entre mon binôme, lorsque tout le monde est concentré en fait, sur le code, parce que des fois encore, on a du binomage où il y a quelqu'un sur son téléphone alors, qui est en train de faire des choses professionnelles. Sauf que ça, ce n'est pas du binomage. Alors, j'ai pris en fait, la même photo pour parler du coaching. Des fois, on pourrait faire du coaching. Du coup, on pourrait être derrière le même ordinateur, mais ça encore, ce n'est pas du binomage, mais c'est important encore pour la transmission. Et lorsque je parle de cette partie, je pense fort à tout ce qui est strong pair programming. Alors, qui ne connaît pas ce que ça veut dire strong pair programming ? Ah, parfait, très bien. Il y a plein de personnes, du coup, en fait, je vais partager ça avec vous. Strong pair programming, c'est lorsqu'on est en train de binomer et qu'on a une idée et qu'on a envie d'expérimenter l'idée. Souvent, notre première réaction, c'est de dire « Ah, donne-moi en fait le clavier, j'ai envie en fait vraiment en fait d'essayer. » Et avec le strong pair programming, c'est vous avez une idée, vous êtes en train de binomer, vous donnez le clavier à votre binôme et vous lui dites « J'ai une idée, tiens, aide-moi pour implémenter cette idée. »
Et alors j'ai tout le temps, je ne vais pas dire en fait le prénom en fait du monsieur en fait qui a fait Strong Pair Programming, mais je pense que c'est Falco, Adrien, tu m'as dit, en fait c'est Falco en fait qui a parlé de ça pour la première fois. Et lorsque en fait on va essayer de faire grandir les autres, ce qu'il faut en fait savoir, c'est qu'il faut s'attendre à ce que les autres encore puissent monter en compétences beaucoup plus vite. Moi j'ai travaillé beaucoup avec des juniors, on a en fait travaillé sur des programme de training pendant 4 semaines à peu près. Et ce qui est vrai, c'est que on a pris le concentré de l'expertise d'une vingtaine de développeurs en fait experts. Et lorsqu'on va transmettre ce savoir-faire à des personnes juniors, c'est sûr en fait qu'on va accélérer leur montée en compétences. Et du coup, ils peuvent rapidement accéder en fait à des nouvelles connaissances, ils peuvent en fait même dépasser en fait un peu et avoir plus de connaissances que nous. Et ça, bah, il faudrait en fait l'accepter. Moi, en fait, aujourd'hui, en fait, j'ai une expertise, mais s'il y a en fait quelqu'un qui vient de rentrer dans le monde de l'informatique avec tout le progrès qu'il y avait eu depuis que j'ai eu mon diplôme, c'est sûr en fait qu'il va avoir un savoir-faire en fait différent. Et du coup, dans la transmission, il faut accepter encore que, parce que c'est l'objectif de la transmission, c'est en fait d'accélérer les connaissances, le savoir-faire des apprentis. Et après, derrière, il faut que ça soit encore une relation dans les deux sens. Ça veut dire qu'en gros, bah, lui, en fait, il va, la personne à qui je vais transmettre en fait mes connaissances, il va acquérir des nouvelles connaissances et il va après me transmettre d'autres connaissances. Et on arrive en fait à l'apprentissage. Alors, lorsque je parle de l'apprentissage, j'aime bien que les gens... oui. Je voudrais revenir 4 slides en arrière, s'il te plaît. OK. Oui, ça. Donc, il y a marqué bon. Oui. Mais, bon, t'as fait une petite blague qui va écarter, je ne sais pas, donc tu n'en as pas parlé. Tu m'en prends... Enfin, derrière Mob, c'est Mob Programming ou... Oui, c'est Mob Programming, ouais. Et peut-être ça vaut le coup d'expliquer. Oui. Et pourquoi tu n'en as pas parlé ? Alors, c'est juste, j'en ai pas parlé parce que j'ai pas eu l'occasion de beaucoup en fait faire du mot programming, mais je pense qu'il y a quelqu'un en fait qui en a fait en fait et qui adore faire ça, c'est Adrien dans la salle. Alors, le mot programming, est-ce qu'il y a des personnes qui savent pas ce que c'est mot programming ou teaming ? Ok. Alors, c'est Adrien. Est-ce que tu veux expliquer ce que c'est mot programming ? Tu vas le faire beaucoup mieux que moi. C'est mettre toutes les personnes qui sont nécessaires au succès d'une tâche autour d'un seul ordinateur au même moment et au même endroit. Ça peut aussi être en remote, mais du coup ça veut dire, moi je le traduis souvent en développement en équipe. Donc on se met, c'est du pair, mais à beaucoup plus de monde. Et moi, les fois où on a fait du mot programming, parce que cette mission-là, et c'est lui Boris Gollon en fait d'ailleurs, je ne l'ai pas présenté, mais il est en fait sur la photo. On faisait en fait du binômage à temps complet. Pendant 4 ans et demi, j'arrivais le matin, j'avais pas en fait un ordinateur pour moi, j'avais tout le temps mon ordinateur avec mon binôme. Et les fois où on a fait du mot programming, c'était un grand refacto, où derrière, on voyait en fait que dans l'équipe, chaque personne avait une vision complètement différente. Et on a dit, on va faire du mob. Du coup, c'était pas à une époque où le mob programming était aussi connu que maintenant. Et on était en fait dans une salle et toute l'équipe a fait en fait du mob programming tous ensemble. Et juste pour le rendre explicite, lorsqu'on dit toute l'équipe, ça veut dire encore les PO, ça veut dire encore en fait les personnes en fait qui sont les experts métiers. Et encore les QA, vraiment toute l'équipe. Yes. Du coup, respecter sa propre progression, pour moi, c'est super important. Et à chaque fois que je lis cette phrase, ça me fait penser aux cours de yoga. Et j'en ai fait des cours de yoga. Et mon premier cours de yoga, bah, j'arrive, puis après, je regarde à côté de moi. Moi, je suis passionné par tout ce qui est grand écart. Et je vois tout le monde qui fait des grands écarts. Et moi, en fait, j'arrive pas en fait, à faire le grand écart. Mais derrière, c'était super frustrant. Et la première chose en fait, que le prof de yoga va dire, en fait, surtout pour les personnes qui viennent en fait, faire ça pour la première fois, c'est ne regardez pas autour de vous, vous ne connaissez pas l'historique de ces personnes, qu'est-ce que les personnes qui arrivent à faire des grands écarts, qu'est-ce qu'ils ont fait pendant leur enfance, quel sport ils ont pratiqué. Regardez tout le temps votre propre progression. Et ne soyez pas violent avec vous-même. C'était vraiment les phrases et les mots en fait, du premier prof de yoga.
Et du coup, lorsque on arrive, surtout pour les personnes qui ont fait en fait de la reconversion, on peut peut-être binômer avec quelqu'un qui est super fort en fait dans le développement, mais c'est comme le grand écart. Derrière, bah, il faut en fait qu'on regarde notre propre progression, et des fois, bah, gagner en fait un centimètre, ça pourrait en fait être excellent, et ça pourrait être même plus dur pour celui qui a gagné un centimètre comparé à l'effort que la personne qui a l'habitude de faire le grand écart pendant la séance. Ne pas se comparer aux autres, pareil, célébrer en fait les petites victoires et avancer par des petits pas. Je pense en fait que c'est important. Ça veut dire qu'en gros, avant en fait de cibler peut-être les grands écarts, peut-être en fait faudrait qu'on commence en fait par une étape un peu moins ambitieuse, et petit à petit on va y arriver. Et ça, en fait, pour le coup, ce sont des règles fondamentales, mais en fait derrière, qui marchent. Et pour encore faire de l'apprentissage, on a en fait le droit de dire « j'ai pas compris », que je sais pas. Même en fait les personnes et les profils experts ont le droit de le dire. Et ça, ça me fait penser à un prof d'anglais au British Council. Vous savez, en fait, lorsqu'on apprend l'anglais, on va tout le temps aller voir en fait les profs pour leur dire « et ce mot, ça veut dire quoi en anglais ?» Et si en fait le prof ne répond pas, on dira ah, voilà, c'est... on va mettre en fait en deux en fait les compétences. Et ce prof, lorsqu'on venait pour lui demander en fait ça veut dire quoi ce mot en anglais, il nous regardait, il disait je suis pas un dictionnaire. Et pour moi c'était en fait assez fort parce que souvent en fait voilà lorsqu'on vient en fait pour présenter en fait quelque chose, bah on est censé en fait de tout connaître. Et ben non, en fait on pourrait être expert sans tout connaître. On a le droit encore de donner des mauvaises réponses, et ça en fait c'est quelque chose que je le rappelle tout le temps lorsque je vais faire des formations. Ça veut dire qu'en gros on fait une formation, il faut profiter des réponses des personnes pour expliquer des concepts. Sauf que si jamais on pose une question et que derrière il faut attendre 10 minutes pour avoir une réponse, ça va pas marcher. Et souvent lorsqu'on est en train d'animer la formation, on va oublier qui a dit quoi. Sauf que côté en fait de la perspective de la personne qui est en train d'apprendre, c'est pas du tout la même chose. C'est-à-dire qu'en gros, à chaque fois il va donner une réponse, il a l'impression qu'il va être jugé. Du coup, si jamais vous donnez en fait une formation, il faudrait insister que on s'en fout en fait des réponses. Les réponses, c'est juste une excuse pour qu'on arrive en fait à avancer. Je dirais même que s'il y a des personnes qui vont donner des mauvaises réponses, ça arrange en fait souvent le formateur parce que ça va nous permettre d'expliquer des nouveaux concepts. Et moi, j'aime beaucoup encore encourager les personnes pour donner des réponses intuitives, parce que derrière, la première réponse en fait qui va arriver, c'est souvent assez révélateur, et ça serait intéressant encore en fait d'analyser en fait un peu ces réponses-là. Et du coup, lorsque vous êtes en train de travailler avec des personnes en termes en fait d'apprentissage, bah, sachez en fait que tout le temps il va y avoir trois étapes, et ça sert à rien en fait de griller en fait les étapes. La première étape, c'est de maîtriser en fait les basiques, maîtriser les fondamentaux. Et ça ne sert à rien, en fait, par exemple, lorsque vous êtes en train de maîtriser les fondamentaux, d'accorder beaucoup d'importance pour la rapidité. Il faut commencer en fait tout le temps par la qualité. Il faut en fait que lorsqu'on est en train de travailler en fait sur les fondamentaux, de faire en sorte que les personnes puissent accomplir les tâches d'une manière correcte, et c'est la qualité comparée en fait à la rapidité. La deuxième, c'est la consistance. Si je reviens par exemple à la première partie, lorsque je vais expliquer en fait TDD, je vais prendre un kata, fizzbuzz, ou je ne sais pas, en fait fraction. Et derrière, toute ma préoccupation, ça va être d'apprendre aux apprentis comment en fait comprendre TDD. Ça veut dire quoi, red, green, refactor, comment en fait on va faire en fait les baby steps, leur expliquer en fait un peu l'importance en fait de regarder pourquoi le test il est rouge, de vérifier en fait qu'il est rouge en fait pour la bonne raison, et qu'une fois en fait qu'on va passer au vert, après en fait voir si on peut faire de refacto. Une fois qu'on a fait le refacto, essayer en fait de commiter. Toutes un peu ces étapes-là sont super importantes. Et une fois en fait que j'ai fait ça, on passe en fait à la deuxième partie qui est la consistance. Ça veut dire qu'en gros, j'ai fait mon exercice sur un kata. Est-ce que l'apprenti a aujourd'hui la faculté en fait d'appliquer en fait les mêmes concepts sur un autre kata, qui soit en fait un kata équivalent? Du coup, je ne peux pas travailler avec fraction et après en fait prendre par exemple un autre kata qui s'appelle RPN Calculator et dire en fait aux apprentis à appliquer en fait TDD tout de suite sur RPN Calculator parce que c'est trop, enfin la difficulté n'est pas la même. Du coup, la consistance, c'est commencer par appliquer sur d'autres kata qui
dont le niveau de difficulté en fait est assez assez proche, et essayer en fait de le faire encore correctement. Et ce qui est vrai, c'est que ça, c'est pareil, en fait, avec Boris, on a travaillé en fait un peu sur ça. Et d'abord, en fait, bon, on était en train de dire qu'on passe par une étape où il faut connaître en fait les concepts. Après, il faut encore utiliser les concepts, c'est-à-dire qu'en gros, des fois, en fait, je connais en fait TDD. Mais est-ce que lorsque je vais en fait travailler sur une nouvelle fonctionnalité, je vais utiliser TDD? Parce que si je n'utilise pas TDD, ça veut dire que je ne connais pas assez. Et une fois que je vais commencer à utiliser des TDD, est-ce que ça devient, par exemple, intuitif pour moi d'utiliser TDD d'une manière systématique sans même pas réfléchir? C'est une fois qu'on arrive en fait à ce stade-là qu'on va passer en fait à la troisième étape. Et la troisième étape, c'est utiliser TDD lorsqu'on va ajouter de l'intensité. Ajouter de l'intensité, c'est lorsqu'on est en fait dans une situation où derrière, je sais que je peux faire en fait une tâche, mais parce qu'il y a de l'intensité, la qualité en fait va se dégrader. C'est comme dans la Coupe du Monde, on voit en fait les footballeurs qui sont en fait devant l'arbitre et des fois ils n'arrivent pas en fait à marquer. Et nous tous en fait derrière nos télé, on va dire ah mais il est bête, même moi en fait j'arrive en fait à marquer. Sauf que lui, il est en fait dans un contexte intense où en fait sa qualité en fait elle est dégradée. Et pour projeter ça sur notre domaine, lorsque par exemple vous allez dans un entretien de recrutement et que derrière vous allez accueillir en fait des candidats, sachez en fait que des fois les candidats, ils savent en fait répondre à l'exercice, mais parce que le contexte intense de l'entretien technique pourrait en fait impacter la qualité en fait de ce qu'ils savent, et ils pourraient en fait par exemple planter leur entretien en fait technique. Du coup, l'intensité, c'est tout par rapport à ça. Et si je prends en fait l'exercice du le TDD, et ben si vous demandez à quelqu'un de faire TDD sur RPM calculator, ben c'est sûr en fait et certain que même s'il arrive en fait à le faire sans problème sur un CRETACOM fraction, c'est pas gagné en fait pour RPM calculator. Si sur votre projet, bon, on prend le pari, Adrien. pareil, en fait, dans nos projets, si jamais, par exemple, il y a beaucoup de legacy, ça reste voilà, un sujet en fait, qui est un contexte assez intense. Pareil, si par exemple, vous êtes en train de travailler avec quelqu'un, vous avez envie d'ajouter de l'intensité, vous pouvez prendre un timer et vous le dites, en fait, bah, on va finir ça, je ne sais pas, 30 minutes. Et vous allez voir que ce n'est pas du tout les mêmes réactions. Et ce n'est pas du tout la façon dont la personne en fait, va développer, elle va être en fait complètement différente. Et du coup, moi, ce que j'aime beaucoup cette phrase, c'est dans l'intensité, il faudrait en fait être confortable dans l'inconfortable. Et je vais en fait vous montrer en fait ce gif que j'aime beaucoup. Alors, on a trois personnes, parce que c'est sûr que pour les trois étapes, voilà, en fait, c'était en fait assez, je dirais, en fait abstrait. Mais si vous regardez en fait ce monsieur qui est en fait, voilà, lui en fait il est en train d'apprendre les fondamentaux. Du coup, ce qu'il fait, il balance, bah, des fois en fait il marque, il est fatigué, du coup voilà, en fait il bouge ses bras et après il recommence. Notre ami ici, il est en fait dans la partie consistance. Il y a en fait une certaine constance dans sa façon de balancer en fait les balles et après il arrive à marquer, pas tout, mais il arrive à marquer. Et le dernier, eh ben, on a l'impression en fait qu'il a fait ça toute sa vie et que derrière c'est, enfin voilà, en fait on voit en fait l'aisance avec laquelle en fait il est en train en fait de balancer en fait les balles. Et dans l'apprentissage, lorsqu'on est en train de travailler en fait avec les katas, j'aurais aimé en fait que on arrive à distinguer en fait ces trois niveaux, parce que c'est pas du tout en fait la même chose. Lorsqu'on est en fait là en train en fait de travailler, de faire un kata, c'est pas du tout comme ici, c'est pas du tout comme là. Et je pense qu'aujourd'hui, en fait, au niveau de la communauté, en fait, derrière, on n'a pas envie d'aller en fait trop challenger en fait un peu ces trois niveaux-là. Mais il y a plein de choses en fait à gagner en fait pour si en fait on le fait. Du coup, je vais finir avec un training, enfin pour partager avec vous un peu un cas pratique, un training craft. Ça en fait je l'ai ajouté, je ne l'ai pas en fait présenté à Lille, mais lorsque j'ai fait un peu le talk à Lille, j'avais l'impression quand même en fait que les gens ils avaient en fait des attentes pour voir qu'est-ce qu'il y avait en fait dans ce training là. Du coup, le contenu en fait c'est vraiment un contenu. D'abord en fait si en fait vous allez travailler en fait sur un training craft, il faudrait en fait d'abord en fait voir en fait quel est le prérequis et c'est quoi en fait l'objectif final. Oui. Tu pourrais vous
TrainingCraft, c'est le programme de la formation, c'est ça? Oui, exactement. Ouais. En fait, TrainingCraft, ça veut dire qu'en gros, en fait, bah, on a un savoir craft. Demain, si on va travailler en fait, avec des personnes, donc on a envie en fait, de faire monter en compétences en fait, les personnes, c'est quoi les connaissances en fait, que les personnes en fait, devraient en fait, avoir? Ça reste une vision un peu subjective, ce n'est pas en fait, une solution. Nous, en fait, on a travaillé sur ça à l'époque, mais ce que j'ai envie de dire, c'est que chaque équipe, chaque entreprise pourrait en fait encore définir en fait des choses en fait différentes, plus ou moins adaptées. Du coup, on a travaillé d'abord en fait bien sûr sur les prérequis. Nous, nos prérequis, c'était d'avoir des personnes qui savent développer et qui ont en fait une maîtrise des concepts de la programmation par objet. Une maîtrise genre quoi, niveau consistance. C'est pas en fait la partie en fait intensité. Et après, on a essayé en fait de travailler un peu sur 5 itérations. Alors, j'aime marquer ça parce que c'était un peu quand même en fait l'idée. C'est d'abord en fait bah, on avait envie en fait que les gens en fait soient en mesure d'écrire du clean code, après de faire du clean design et après de clean archi. Alors archi voilà, mais en tout cas en fait c'était un peu, je dirais, l'objectif. Et dans les familles de compétences, on a distingué à peu près en fait 5 familles de compétences. Alors toute la partie en fait craft pratique, TDD, tout ce qui est en fait tout ce qui est venu en fait dans les pratiques. La partie expertise technique, c'est maîtriser le langage Java, maîtriser Git, maîtriser en fait les fondamentaux, programmation fonctionnelle, programmation par objet. Agilité feedback, c'est comprendre un peu pourquoi on fait les choses, parce que lorsqu'on dit agilité feedback, il faut connaître les cérémonies, mais pour moi ce qui est plus intéressant des cérémonies, c'est savoir pourquoi en fait je fais les choses. Au niveau du stand-up par exemple le matin, j'ai rien contre le format, dire ce que j'ai fait hier, ce que je fais aujourd'hui, et les points en fait qui m'ont bloqué. Mais moi, en fait, ce qui m'intéresse dans un stand-up, c'est surtout en fait savoir, au niveau du sprint, est-ce que mon engagement, je vais en fait arriver en fait à l'atteindre ou pas. Du coup, le matin, c'est surtout ça qui m'intéresse. Et ce qui va en fait m'intéresser, c'est que les gens en fait parlent vraiment sur l'avancement en fait des différents tickets. Et j'avoue en fait que pourquoi je partage ça avec vous? Parce que on était en fait dans une équipe où en fait derrière, ben on faisait en fait le tour et chaque personne disait en fait ce qu'il a fait la veille. Et souvent, ben on avait des réunions où tout le monde participait et du coup, on avait le droit en fait tous les matins en fait pour dire j'ai participé à cette réunion. Et c'est pas en fait pour moi en fait le stand-up. Le stand-up, c'est vraiment ben j'ai les tickets et après derrière, qu'est-ce qui manque pour que le ticket en fait passe dans la colonne done, surtout s'il y a du retard. Et du coup, dans la partie agilité, c'est plus comprendre pourquoi. Et le travail en équipe, tout ce qui est binomage, tout ce qui est mode programming, parce que le binomage, ou en fait faire du mob, c'est pas en fait une compétence qui vient en fait derrière et qui, enfin voilà, en fait c'est une compétence, on apprend en fait à faire du mob programming et c'est pas naturel. Et moi, j'aime parler encore des extra skills. Alors, c'est vrai, en fait, le training, on ne l'a pas fait. Mais moi, par exemple, je trouve qu'un développeur, bah, si, en fait, il va apprendre à taper, en fait, sur le clavier sans regarder le clavier, c'est quelque chose, en fait, qui est intéressant. Apprendre l'anglais, encore, c'est quelque chose qui pourrait, en fait, nous aider. Et ce que j'ai toujours dit lorsque je parlais, en fait, de ces compétences-là, c'est qu'on peut être excellent partout. C'est trop compliqué. Mais il y a des personnes qui sont excellents partout. Il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a. Mais l'idée, c'est vraiment en fait d'essayer d'être mauvais en rien. Alors bien sûr, bah, lorsqu'on a en fait un peu toutes ces familles de compétences, il faut en fait savoir où on est expert et essayer de garder cette expertise en faisant en fait faisant de l'entraînement, en faisant de la veille. Mais il faut encore qu'on cherche là où on n'est pas bon. Bah, ça pourrait être le pair programming. Moi, lorsque j'ai commencé le pair programming, j'avais vraiment du mal parce que pour moi, c'était un tabou de montrer en fait mon code. Et c'est plus en faisant du sport en binôme que j'ai commencé en fait derrière à appliquer en fait un peu ce que je faisais dans le sport, dans la mission où je faisais du pair programming à temps complet. Du coup, n'hésitez pas à aller chercher en fait les endroits où vous n'êtes pas en fait à l'aise et c'est comme ça que vous pouvez en fait tout le temps bah, améliorer en fait vos compétences. Et comme je vous ai dit, bah, moi en fait c'est en 2021 que j'ai commencé à apprendre à parler. Et j'ai aucun problème en fait d'en parler et j'ai découvert en fait par exemple bah, une certaine puissance en fait dans la voix parce que maintenant je sais que j'ai une voix en fait ténor, alors ça se voit pas mais en fait c'est la réalité et des fois bah, lorsque je fais vocalise avec mon orthophoniste je découvre une autre voix que j'adore
Et derrière, en fait, si je n'ai pas eu le courage de dire, bah si, en fait, je vais faire ça, je n'aurais pas fait ça. Lorsque j'ai commencé, par exemple, à faire, comme je vous ai dit, en fait, un peu des entraînements avec le yoga, bah, au début, en fait, je n'étais pas du tout souple. Et petit à petit, j'ai commencé à gagner en souplesse. Et maintenant, je pourrais, voilà, en fait, pour des fois frimer, bah, voilà, en fait, je fais les squats, puis après, j'ai le dos tout droit, et je suis, en fait, tout content. Et je pense vraiment, en fait, que derrière, on est très, trop attaché, en fait, aux stéréotypes. Et ça, en fait, des fois, ça pourrait nous empêcher. Genre, quelqu'un qui n'est pas grand ne peut pas faire le marathon. Qui a dit ça ? Personne. Des fois, on dit, ah ben, les femmes ne sont pas fortes. Bah, dans ma salle de sport, lorsque je fais de l'haltérophilie, bah, il y en a, en fait, des femmes qui sont super fortes. Et que derrière, en fait, on regarde la technicité de leurs mouvements, c'est excellent. Et ces stéréotypes-là, il faudrait, en fait, les casser. Parce que c'est ça qui nous empêche des fois, en fait, d'avancer. Moi, j'aime beaucoup, en fait, la partie pratique. Et j'ai dit, en fait, théorie et pratique. Théorie, c'est important, mais encore, en fait, pratique. Et dans l'entraînement, pendant le training, on a essayé, en fait, de trouver un équilibre dans la première itération. Alors, vous pouvez regarder tout, parce que derrière, voilà, en fait, ça, c'était, en fait, un peu ce qu'on a fait. Mais surtout, en fait, nous, on travaillait, en fait, les baby steps. On voulait travailler tout ce qui était DD, simple design, mais encore, en fait, on faisait du mob, il y avait, en fait, Git, il y avait CI/CD, il y avait un rappel de la programmation par objet, tout ce qui est BDD, notamment, en fait, les exemples, derrière les raccourcis au niveau d'IntelliJ. Et tout ça, c'était à peu près le programme, en fait, de la première itération qui était sur une semaine. Et le kata fraction, qui est, en fait, un kata que j'aime beaucoup pour cette première itération. Du coup, comme je l'ai expliqué avant, c'est un mélange, en fait, de plusieurs, en fait, compétences. Et derrière, ce qui est sûr, en fait, et certain, Adrien, en fait, ben, il a participé, en fait, dans le coaching, en fait, un peu. Nous, on voulait encore que cette formation soit quelque chose qui amuse les personnes et que ça soit pas, en fait, une formation où on est là et que derrière, on a l'impression, en fait, que c'est une punition. Sur la deuxième itération, on commence, en fait, à travailler et à faire du pairing. Bien sûr, on va reprendre ce qu'on a fait dans la première semaine, parce que derrière, bah, on a envie, en fait, de chercher un peu la consistance. Alors, ce qui est vrai, sur les quatre semaines, on a essayé d'aller chercher l'intensité, mais c'était, en fait, un peu compliqué. Et puis derrière, on commence, en fait, à faire du refacto. On commence à préparer la partie TDD, en fait, avancée. On travaille des choses un peu techniques, comme les exceptions. On fait, en fait, un focus sur le nommage, on travaille sur ce qui est primitive obsession, et on essaie encore de travailler un peu design sur papier pour savoir que même si on fait du développement, ben, on a encore la possibilité de faire un design sur du papier. Et dans la troisième itération, ben, on continue avec Git, avec la partie CI/CD. Pareil, rappel sur la première semaine, deuxième semaine, et on attaque, en fait, avec la partie TDD avancée, puis après on avait un focus sur simple design. Alors vous allez voir, moi j'adore, en fait, simple design, je vais en fait en parler après. Et puis la quatrième semaine, c'était un peu mélangé tout. Alors des fois on a parlé de mutation testing, mais vraiment, en fait, genre une ou deux fois. Mais surtout on travaillait avec RPM calculateur et on essayait de mélanger, en fait, un peu tous les concepts et d'essayer d'aller travailler, en fait, un peu cette partie, je dirais, ce que j'ai appelé, en fait, un peu l'intensité. Et puis il y avait une cinquième itération, mais elle venait, en fait, plus tard, où là, en fait, on travaillait l'architecture. Et là, bah, Adrien, en fait, je pense qu'il a animé, en fait, plusieurs cinquièmes semaines. Et je pense, en fait, que la dernière cinquième semaine, c'était, en fait, après le confinement. Du coup, on l'a fait, en fait, à distance. Et j'ai pensé à toi, en fait, Adrien, avec, en fait, les photos qu'on envoyait, en fait, le matin, parce que j'ai animé une rétro comme ça à distance, et derrière, en fait, j'ai utilisé ça. Voilà. Alors, je voulais, en fait, là, pour le coup, vous parler d'un livre que j'aime beaucoup. Alors, c'est un livre que j'ai découvert une fois qu'on a mis en place les quatre semaines de training. C'est Pedro Santos, Agile Techniques, Practices Distilled. Honnêtement, en fait, c'est un livre où ça vaut le coup, en fait, de le regarder. C'est un livre, en fait, qui est concis, qui va direct à... il va expliquer les concepts, en fait, d'une manière très directe. Il y a, en fait, des exercices pratiques. Si jamais, en fait, vous travaillez, en fait, avec ce livre-là, n'hésitez pas, en fait, à faire les exercices. Et voilà, en fait, c'est un livre que je recommande, en fait, à toutes les personnes.
Et ce que j'ai fait encore, j'ai essayé en fait un peu peut-être de résumer, si en fait j'ai un résumé en fait à faire, parce que des fois bah, on peut apprendre plein de choses. Pour moi, si demain il y a en fait un développeur ou dans vos équipes, vous avez envie en fait que les personnes maîtrisent en fait des choses, bah, il faut en fait vraiment travailler sur Simple Design, les quatre rôles de Simple Design. Est-ce qu'il y a des personnes qui ne connaissent pas ces quatre rôles? Ok, bah, je ne vous donne pas la réponse. Voilà, je vous conseille en fait d'aller chercher la réponse. Alors, la réponse en fait c'est simple. Alors il y a Kent Beck en fait qui a parlé en fait de ça, mais après c'est Corey Haynes qui a fait en fait ce livre là, qui a en fait fait un livre. Alors ce livre en fait il n'est pas un grand livre, hein. C'est une soixantaine en fait de pages. Lui en fait il a animé Global Day Code Retreat. Est-ce que tout le monde, est-ce qu'il y a des personnes qui connaissent pas ce que c'est Global Day Code Retreat? Parfait. Alors est-ce qu'il va y avoir à Rennes un Global Day Code Retreat ou pas? Non, mais peut-être c'est l'occasion en fait d'en faire. Global Day Code Retreat, c'est une journée où en fait tous les développeurs du monde entier, ils vont travailler en fait sur un exercice, souvent c'est Game of Life. Et après derrière, la journée en fait c'est souvent samedi, on arrive le matin à 9h et après ça finit vers 17h, 18h. Toutes les heures, vous allez en fait prendre l'exercice Game of Life, vous allez avoir un binôme, vous allez travailler sur l'exercice et après une heure, vous supprimez tout le code, vous changez de binôme et vous recommencez. Et vous pouvez prendre en fait des contraintes, genre en fait pas d'if, pas de boucles, des fois par exemple plein de contraintes. Enfin, j'ai pas envie de dire bizarre, mais en fait il y a quand même en fait pas mal de contraintes. Du coup, en fait, faut le faire au moins en fait une fois en fait dans votre vie parce que c'est important. Moi, je l'ai fait trois fois en fait, je pense. Et Corey Haynes, il a fait ça dans le monde entier. Et ce qu'il a fait après, il a écrit un livre sur ces quatre rôles de Simple Design et comment en fait les développeurs travaillent en fait avec ces quatre rôles de Simple Design. Et moi, si j'ai juste peut-être une chose en fait à partager en fait avec quelqu'un, ou si j'ai un souhait dans mes équipes, c'est qu'ils maîtrisent en fait les quatre rôles de Simple Design et en plus les quatre rôles de Simple Design, SRP encore, parce que je pense que c'est important, SRP, et comment en fait répartir en fait les responsabilités. Yes. Est-ce que tu pourras partager tes slides après ou pas? Oui, bien sûr. Oui, bien sûr. Il y a encore en fait Gibrain, c'est lui en fait, si j'ai découvert en fait le catafraction, c'est grâce à ce monsieur. Du coup, il faut aller jeter un coup d'œil sur son blog. Sur son blog, il a plein d'articles super intéressants qui datent, mais qui restent en fait super importants. Et puis en fait ici, bah, il a en fait fait une sorte de d'un entraînement en fait en ligne sur en fait TDD. Alors moi, je me suis inspiré et après dans le livre Software Craft, j'ai écrit en fait un chapitre derrière où je pars sur ce qu'il a écrit, mais après je suis allé en fait un peu plus loin. Et c'est un kata que à chaque fois que je fais ce kata, je prends beaucoup du plaisir en fait à animer ce kata et je trouve que c'est un kata en fait qu'on pourrait en fait expliquer en deux minutes, mais après derrière c'est tellement riche en problématiques que c'est tout le temps en fait super intéressant de travailler en fait ce kata. Et puis ouais, en fait il a en fait son blog et il a encore, je profite, une vidéo en fait, c'est 7 minutes 46 secondes ou quelque, voilà, en fait derrière, en fait je vous conseille en fait de regarder ça. En vrai, en fait je l'ai mis, puis après lorsque j'étais en train de regarder les slides, j'ai dit en fait non, c'est pas en fait si pertinent que ça, mais à la limite je laisserai ça en fait dans la partie que je partagerai. Et il y a en fait ces deux livres là encore, Goose en fait avec Steve Freeman et Nat Price, là en fait derrière, en fait c'est un livre que j'aime beaucoup en fait lire parce que il est déjà facile à lire. Alors tout le monde n'est pas d'accord avec moi. Moi par exemple le livre sur le refacto, ben, je le trouve très difficile à lire, mais peut-être parce que je l'ai lu dans les transports en commun, tandis que ce livre-là en fait je l'aime bien. Et après en fait dans ce livre-là, c'est surtout si vous avez en fait envie de mieux comprendre comment en fait par exemple là où il faut pas utiliser les mocks, ça vaut le coup en fait de le lire. Et il y a encore, si je ne me trompe pas, le Skeleton Pattern qui est dans ce livre-là. Et Pragmatic Programmer, quand même, ça reste en fait un classique que ça vaut le coup en fait de le lire. Et il y a le mot pragmatique, et je pense que je vais finir normalement avec ça. Alors le mot pragmatique, c'est super important, parce que ce que je voulais en fait partager avec vous, c'est qu'on connaît en fait plein de pratiques, on parle de plein de pratiques, mais le plus important et la qualité en fait essentielle pour tout développeur, c'est être pragmatique. C'est-à-dire qu'en gros, moi j'adore le binomage, mais ça ne veut pas dire que le binomage s'applique en fait tout le temps. On peut en fait par exemple aimer le TDD, mais ça ne veut pas dire que tout le temps en fait il faut passer par TDD. Et sur ça, il y a un workshop
que j'aime beaucoup, c'est en fait un workshop qui dit Catmatic Workshop. Et Catmatic, ça vient de dogmatique, et ils ont retiré dogmatique pour mettre cat, c'était dans une conférence Socrates. Et la première fois que j'ai assisté à ça, c'était aux Canaries, en fait, je pense. Du coup, voilà ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Et si vous avez des questions, si vous avez en fait des feedbacks, n'hésitez pas. Merci. Merci beaucoup. Oui. Alors, merci beaucoup pour ta présentation. Sur le training craft dont tu as parlé à la fin et dans ta démarche, dans quelle mesure tu as fait ça seul et dans quelle mesure tu as inclus d'autres personnes pour créer le contenu, le parcours, qu'est-ce qu'on met en itération 1, en itération 2, comment le collectif, comment tu as réussi à impliquer le collectif là-dedans, est-ce qu'il était volontaire, est-ce qu'il n'était pas, enfin voilà. Oui, alors c'était... c'était la création, c'est un training, en fait c'était le modèle en fait d'une boîte où j'étais CTO. Alors c'était chez Arola, moi j'étais en fait chez Arola, et à un moment donné en fait les dirigeants d'Arola, ils ont décidé en fait de créer une spin-off, la Conduit Long Vert. Cette boîte n'existe plus malheureusement. Et lorsqu'ils ont décidé de créer cette boîte, ils m'ont proposé d'être CTO, et le modèle de la boîte c'était de partir sur un training craft, à proposer à tous les collaborateurs qu'on souhaite recruter. Et au tout début, on voulait en fait vraiment recruter des profils juniors. Ça veut dire qu'en gros, des personnes qui ont un an, deux ans d'expérience, en tout cas, en fait, une expérience jeune dans le craft. Ils ne connaissent pas le craft parce que des fois, on a recruté encore des personnes qui avaient beaucoup en fait, d'expérience. Du coup, c'est parti en fait, un peu de ce besoin. Et moi, en fait, ce que j'ai aimé en fait, à l'époque, c'était vraiment en fait, dire, parce qu'il y a eu en fait, d'autres boîtes en fait, concurrentes qui ont travaillé en fait, sur ça. Et souvent, en fait, ce qui s'est passé, et ce n'est pas du tout en fait, une critique, c'est passé comme ça, c'est qu'ils prenaient en fait, des formations qui se trouvaient en fait, dans des catalogues, et après, hop, en fait, on assemble en fait, un peu toutes les formations, et après, on fait un training en fait, pour les personnes. Et nous, on n'avait pas du tout, on n'a pas du tout pris cette approche-là. Ce qu'on a fait, on a dit, OK, on sait en fait les personnes qui vont arriver chez nous. Du coup, en fait, notre prérequis, c'est que les personnes maîtrisent en fait toute la partie programmation par objet, parce que quand même, en fait, il fallait partir en fait et avoir un certain prérequis. Et après, moi, en tout cas, en fait, dans ma tête, l'idée, en fait, c'était d'aller déjà chercher en fait une équipe de coach et prendre le concentré de l'expérience d'une vingtaine en fait de coach et essayer en fait de faire un training sur 4 semaines où j'essaie en fait un peu de me rappeler en fait des choses en fait qui m'animaient. Je disais en fait, mais moi si par exemple lorsque j'ai commencé à travailler, j'avais besoin d'avoir quoi comme information pour apporter et créer de la valeur. Et c'est comme ça en fait qu'on a travaillé en fait sur le training. Alors il y avait en fait au début, on ne savait pas est-ce que c'est 4 semaines, est-ce que c'est 6 semaines, parce que derrière il y a encore le modèle financier en fait derrière. Il y a encore quelque chose que on n'a pas fait attention. Ça veut dire qu'en gros, lorsqu'on a fait la première promo, à la fin, les coachs et l'équipe de coachs, on était en fait au début, je pense, 6 coachs, mais après, en termes en fait d'intervention, on est allé jusqu'à une vingtaine de coachs. Mais les gens, en fait, les personnes qui ont travaillé sur la première version, le contenu, je parle, parce qu'il y avait le contenu, l'animation, on était en fait 6 personnes, à peu près 6 ou 7 personnes. Et moi, d'une manière générale, lorsqu'il y a en fait un travail en équipe, je déteste en fait que ça dépasse en fait 8. C'est, il faut en fait rester entre 6-8 personnes quoi en fait. Et même 8 personnes pour moi en fait, ça commence à faire beaucoup. Et ouais. Et du coup, ça c'était les personnes qui ont travaillé d'abord sur le contenu, et après il y avait en fait le travail d'animation. Et dans le travail d'animation, on était une vingtaine à peu près sur chaque promo. Et je pense que pour partager un peu quand même en fait ce qui a fait le succès en fait de ce training, parce qu'après on a vu en fait les gens qui ont suivi ce training, qu'est-ce qu'ils sont devenus, et du coup derrière c'est quand même en fait ça a accéléré en fait un peu leur carrière. C'était en fait encore de limiter le nombre de personnes qui participent à ce training là. Du coup on n'a jamais dépassé 8 personnes.
c'était tout le temps 8 personnes. Après, bon, ça a arrangé, il faut le dire, parce que d'un point de vue commercial, avoir 8 personnes qui vont suivre le training et qui sont disponibles en fait, juste après, il faudrait quand même en fait, aller leur chercher des missions. Du coup, il y avait cette contrainte-là. Mais à part cette contrainte, quand même, d'un point de vue pédagogique, je ne pense pas que dépasser ou faire en fait, des trainings avec plus que 8 personnes, que en fait, derrière, on peut garder en fait, la qualité en fait, qu'on a pu en fait, quand même conserver avec 8 personnes. Voilà. Du coup, en fait, c'était une équipe qui a travaillé sur le contenu. Lorsqu'on a travaillé sur le contenu, bah, 4 semaines, c'était en fait, un peu compliqué. Du coup, derrière, on a divisé et on a fait, en fait bah, une itération par semaine. Et on a commencé en fait, à travailler le contenu de chaque semaine et essayer de faire en fait, un peu le lien. Et puis derrière, il y avait en fait encore les histoires de compétences. Moi, c'était quelque chose où je voulais en fait vraiment qu'il n'y aura pas que la partie technique, qu'il n'y aura pas que la partie craft, que ça soit en fait un peu un mélange. Et ce que j'ai toujours partagé avec les coachs, je disais en fait que la réussite, c'est en fait de savoir bien doser en fait par rapport à la programmation. Savoir bah, qu'est-ce que dans la première semaine on va mettre, combien en fait, voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question ou... Oui, oui, tu as bien répondu. Du coup, je voudrais la reformuler autrement parce que ça m'a donné d'autres idées. Pour une entreprise qui passe de start-up à scale-up, mais aussi en interne avec beaucoup de recrutement, toute la démarche que tu as présentée me paraît intéressante pour créer justement cette culture ou arrêter d'être 100% sur la culture orale, mais faire en sorte que bah, les différents services se connaissent et connaissent leur méthode de travail. Et... c'est pas tellement une question, du coup je constate que voilà, ça doit être intéressant à mettre en œuvre. Après, je sais pas si c'est facile d'embarquer les responsables de chaque service, par exemple, pour dire bon, bah tiens, si on faisait un socle commun de notre entreprise, qu'est-ce qu'il y aurait Alors, moi je peux peut-être partager derrière ce que j'ai adoré en fait, une fois qu'on a commencé, parce que tu sais, lorsqu'on commence par exemple en fait un projet, des fois on dit ah bah tiens, c'est intéressant, mon intuition me dit que c'est intéressant. On commence le projet, après un an, on commence à découvrir en fait par exemple des points forts qu'on n'a pas identifiés en fait dès le début. Et ce qui est vrai, c'est que nous, bah, vu qu'on avait des promos, alors les promos en fait arrivaient, ça a créé beaucoup de cohérence au sein de la promo. Et après, on avait en fait à peu près la 5e semaine. La 5e semaine, c'était plutôt en fait un événement qu'on programmait, genre les gens arrivaient en fait à l'année N. Et la 5e semaine, elle était programmée à l'année N plus 1. Mais dans l'année N plus 1, il n'y avait que les personnes qui arrivaient à l'année N. Du coup, il y avait cette cohérence au niveau des promos. Et puis derrière, il y avait un deuxième niveau de cohérence au niveau de plusieurs promos. Et on avait l'équivalent de Socrates France comme événement encore interne. Et cet événement, en fait, il était en fait sur 5 jours. Et du coup, là, en fait, on avait encore une cohérence et en fait plutôt ce que j'appelais moi en fait l'onboarding incrémental. Au niveau en fait de plusieurs personnes de la même boîte. Et derrière, le fait en fait qu'ils partageaient en fait un peu bah, ce training-là faisait que maintenant, bah, si tu croises des anciens en fait de la compte du Lanvert, tu peux leur dire qu'à ta fraction, tu verras en fait le voilà. Et ouais, c'est mais c'est vraiment c'était en fait un modèle où moi j'ai imaginé par exemple une culture et après en fait quelques années cette culture en fait elle était une culture qui était réifiée en fait devant moi lorsqu'on participait un peu à des événements vers la fin l'équivalent de Socrates on l'appelait le grand laboratoire, le petit laboratoire. Je pense qu'il y a encore des vidéos qui traînent en fait sur le web et derrière si vous regardez en fait les vidéos vous allez voir en fait vraiment l'ambiance voilà. Moi c'est un projet que j'aime beaucoup, je regrette que la boîte en fait a disparu, mais quand même en fait ce qui fait plaisir c'est que les anciens ils ont pu en fait derrière avancer et ils ont des postes, il y en a des anciens CTO, des personnes qui sont allées en fait à Genève, maintenant en fait ils sont à Singapour, des personnes qui sont des mandataires ou en fait des dirigeants d'entreprise et voilà. Bon, c'est je reste voilà, moi j'ai travaillé sur le training, du coup j'ai envie de dire c'est un peu subjectif mais voilà. Et c'est pas du tout mon bébé parce que des fois les gens disent mon bébé, ben non, en fait c'était en fait une boîte, moi j'ai un détachement encore voilà en fait de tout, c'est pas du tout en fait mon bébé, c'est un training en fait, j'ai travaillé sur ça, j'ai pris du plaisir, j'ai travaillé avec plein de coachs, mais c'est pas non plus mon bébé comme ça en fait, c'est enregistré dans la vidéo. Et... Bonsoir. J'avais une question parce que j'ai bossé un peu dans la pédagogie à une époque et je trouve ça vachement intéressant du coup la façon dont tu as construit
ce parcours de formation avec tes collègues. En combien de temps et dans quelle organisation vous avez construit du coup cette pédagogie-là? Alors, moi, lorsqu'on m'a parlé en fait de l'idée de la boîte, c'était, je pense, fin octobre, fin novembre 2016. Et lorsqu'on a commencé en fait à travailler en fait avec les équipes, on a commencé en février et on était prêt en fait pour la première promo le 29 mai. Alors mon anniversaire c'est le 28 mai, du coup, mais c'était pas exprès. Enfin, c'était pas exprès en fait, je pense. Ou c'était exprès, je m'en rappelle plus. Voilà, du coup, en fait, c'était en fait février, mars, avril. Mais par contre, c'est pas du tout quelque chose en fait que je conseille, parce que derrière, moi, je me rappelle, et il faut le dire en fait des fois, c'est que lorsqu'on vous propose des fois un projet en fait challengeant et que vous avez envie vraiment en fait de travailler, vous oubliez en fait un peu l'équilibre vie pro vie perso. Moi, j'étais en fait en parallèle, j'ai travaillé sur ce projet et j'étais en fait en clientèle encore. Et du coup, derrière, c'est vrai en fait que mes journées, c'était en fait plutôt genre deux postes, voire deux postes et demi pour une semaine qui est en fait composée en fait de 7 jours. Si c'est à refaire, alors je regrette pas l'avoir fait parce que derrière, franchement, en fait, j'ai pris beaucoup de plaisir à travailler avec les coachs, à travailler en fait avec les personnes qui ont suivi ce parcours, à voir en fait un peu tout ce que j'ai partagé en fait ici, le voir en fait vraiment en vrai, c'est super important. Par contre, moi, je sais en fait qu'à l'époque, j'ai arrêté de faire du sport, je sais que j'ai pris trop de poids, je sais en fait que derrière, c'était un projet voilà, en fait, qui m'a fatigué. Après, j'ai beaucoup appris, mais en fait, si c'est à refaire, c'est sûr en fait et certain, je pense en fait qu'il faut prendre le temps de le faire d'une manière incrémentale. Il faut en fait que lorsque on se lance dans un projet en fait comme ça, savoir qu'il y a de l'investissement, et je suis convaincu qu'il y a une autre façon pour faire un parcours comme ça, tout en respectant en fait l'équilibre vie pro, vie perso. Et derrière, bah, voilà, en fait, il ne faut pas... Oui, mais je n'ai pas respecté ça. Moi, il n'y avait pas d'équilibre vie pro, vie perso. Et derrière, il fallait en fait mettre des choses à côté. Et c'était le sport, en fait, à l'époque. Ouais. Merci beaucoup. Deuxième question. Est-ce que c'est la version définitive que tu as testée directement, ou est-ce qu'il y a eu des phases où tu as testé avec des petits groupes pilotes, certains... Voilà, le 29 mai, il y avait en fait le grand lancement. Et du coup, en fait, la première promo, même le recrutement. Alors, ce que j'ai pas parlé, en fait, c'était en fait la partie recrutement. Nous, sur la partie recrutement, il y avait en fait des entretiens en groupe. Et par contre, en fait, en groupe, ça veut dire qu'en gros, on accueillit jusqu'à 6 personnes à peu près. Et bien sûr, lorsqu'on va accueillir 6 personnes, bah, je te laisse imaginer, tu arrives, tu vas faire ton entretien de recrutement. Il y a 2 coachs qui vont t'attendre. Et après, tu as en fait 6 candidats. Et du coup, on avait en fait besoin de rassurer les personnes en disant, bah, c'est pas du tout de la compétition. Et on prenait en fait le fameux kata en fait fraction, et on essayait en fait vraiment de faire en sorte que l'entretien de recrutement soit un avant-goût en fait du training, et en même temps que ça soit un exercice où les gens s'amusent. Et souvent les retours, c'était des retours quand même en fait super sympas, dans le sens où ils disaient, ah bah j'ai eu une session de coaching pour 2 heures, moi je pense que j'ai adoré animer les entretiens de recrutement en fait pendant cette période, vraiment. C'est à chaque fois que j'ai animé des entretiens de recrutement, j'ai découvert en fait des choses. Après, je n'avais jamais d'attente particulière, parce que lorsque je fais un entretien de recrutement, voilà, je laisse les... sauf si les candidats, ils vont être en fait vraiment à côté de... Enfin, pas à côté de la plaque, mais en fait, en gros, bah, par exemple, sur l'exercice de la fraction, si un candidat, il va commencer en fait à implémenter les inputs, ça ne m'intéresse pas. Et du coup, rapidement, en fait, je vais essayer, mais voilà. Et du coup, la question, j'ai oublié, en fait, pardon, parce que je suis parti sur des entretiens de recrutement. Je demandais si tu avais eu des phases de test avant d'atteindre cette Non, on a lancé. Après, juste, en fait, la surprise qu'on a eue, c'est que pour la première promo, alors c'était, en fait, une promo où derrière, le niveau, il était plus difficile. Après, on a adapté. Et je me rappelle, genre la 3e semaine, 4e semaine, parce qu'on a travaillé ça, et derrière, on voyait en fait que ça marchait, du coup, j'étais super content, et les coachs revenaient pour me dire, Oussam, ils sont vraiment fatigués. Et moi, j'étais, mais pourquoi ils sont fatigués? Comment ça se fait qu'ils sont fatigués? Impossible. Et après, en réfléchissant, bah, c'était quand même en fait un rythme qui était en fait fatigant. Et derrière, on a adapté, et puis je leur donnais en fait des conseils, en mode, bah, je vous conseille de boire beaucoup d'eau, parce que derrière, bah, c'est l'oxygène. Et bah, moi, je sais que dans le sport, ça marche.
à eux, ils rigolaient. Alors, je ne sais pas, en fait, voilà, ils n'osaient pas peut-être venir me voir parce que j'étais le CTO, du coup, derrière. Voilà, en fait, c'est un peu compliqué. Mais derrière, j'ai toujours, en fait, donné comme conseil de boire de l'eau, de bien dormir, et que derrière, en fait, d'éviter, en fait, de faire les fêtes, parce qu'on avait, c'est vrai, en fait, 4 semaines qui étaient super bien rythmées. Et puis, lorsqu'on a beaucoup de connaissances avec des personnes qui ne connaissent pas ces concepts-là, le temps de les assimiler, c'est beaucoup. Et je pense qu'un des problèmes pour les modèles concurrents, c'était en fait derrière la quantité en fait d'informations. Nous, on est resté vraiment sur les fondamentaux. On n'est jamais en fait allé, par exemple, sur des sujets en fait un peu trop avancés, sauf lorsque c'était bien préparé. Et je pense que ça encore, c'est quelque chose qui est important à prendre en considération si ouais, voilà, en fait, vous avez envie de faire ou de mettre en place quelque chose en fait qui est similaire. Mais on a commencé avec la version la plus difficile et petit à petit, on commençait à adapter, par exemple, des fois la programmation fonctionnelle. Par exemple, on faisait ça à la fin, ben, on a essayé d'avancer. Il y avait la partie guide, CI/CD. Ben, au début, on faisait une journée complète. Après, on a fait des demi-journées. Après, il faut adapter. Merci. De rien. C'est une question piège. C'est une question piège, ouais. Donc tu nous as parlé de cette formation en 5 itérations qui avait l'air absolument géniale. Mais tu disais, en regardant en arrière, tu es capable aussi d'avoir suffisamment de recul pour voir des choses qui ont moins bien marché. Est-ce qu'il y a des choses que tu ferais différemment pour cette formation si tu devais la recommencer aujourd'hui? Enfin, au final, en fait, en réalité, en fait, elle a quand même bien marché. Après, j'essaie en fait de me rappeler. Oui, enfin, c'était plutôt en fait sur le modèle de l'entreprise, je pense. Si c'est à refaire, parce que ce qui était fait, c'est que les coachs au tout début ne faisaient pas partie en fait de la boîte. Et pour moi, en fait, derrière, ça, en fait, c'était quelque chose que, en fait, si c'est à refaire, bah, j'essaierais en fait que les coachs, en fait, bah, font partie en fait de la boîte. Après, en fait, ce qui est vrai, c'est que forcément, en fait, les personnes, ils vont évoluer. Je pense, en fait, que des fois, dans le modèle, il faut prendre en considération l'accélération, parce que les profils qui vont suivre et qui ont suivi, en fait, ce training n'avaient pas la même, je dirais, progression que, en fait, par exemple, d'autres profils. Et du coup, cette progression, elle est rapide et il faut vraiment prendre en considération cela. Et du coup, derrière, bah, lorsqu'on arrive, on a les 4 semaines de training, et bah, derrière, on propose une semaine, en fait, par exemple, format open space, il faut en fait suivre derrière. Et ça, derrière, voilà, en fait, c'était pas... je pense, en fait, qu'il y a d'autres considérations. Et il y a quelque chose, en fait, que j'avais envie, en fait, de faire. Alors, on l'a fait, mais pas assez, parce qu'on n'avait pas peut-être assez de budget. C'était toute la partie... animation des communautés de coachs. Nous, bon, on a fait en fait des points de synchro, mais si c'est à refaire, ce qui est sûr et certain, c'est qu'avec les coachs, voilà, j'aurais en fait adoré, par exemple, qu'on travaille en fait ensemble sur en fait un peu les méthodes d'enseignement, sur en fait un peu comment coacher, prendre par exemple les différents profils, parce que derrière, en termes de coaching, moi j'adore en fait ce sujet. Quelqu'un par exemple, bah, on peut venir, il faut lui parler en fait doucement pour qu'il avance. D'autres personnes, il faut lui dire non mais t'es pas capable de faire ça, c'est pas normal. Et ça en fait en termes de personnalité, voilà, il y a des sujets par exemple sur l'outside in, comment en fait l'expliquer, sur les katas, sur... toute cette partie en fait animation de coach, on n'en a pas fait assez, je trouve. Pas parce qu'on n'a pas, on n'avait pas l'envie, mais parce que derrière il y a d'autres considérations et que voilà, en fait, on peut pas, c'est pas qu'on peut pas tout dire, mais des fois c'est comme en fait dans l'informatique, hein, c'est facile en fait de dire en fait les choses en fait plus tard, d'avoir en fait le recul, mais lorsqu'on est en train de prendre en fait les décisions, on prend les décisions par rapport à la situation et au contexte actuel. Dernière question, si vous voulez. On va faire la conversation autour d'un verre. Est-ce que quelqu'un a une dernière question? Oui. J'ai une question. Est-ce que les pizzas sont arrivées? Non, moi j'ai une autre question pour Oussem. Oui. Tu nous as beaucoup parlé de yoga, je veux savoir si tu pouvais nous faire un grand écart, s'il te plaît. Ben, alors, la seule fois où j'ai réussi à faire un grand écart, c'était... un samedi matin,
où vendredi, j'ai pas dormi et je suis allé en fait m'entraîner. Et après, derrière, j'ai fait une séance où en fait derrière, beaucoup de contractions musculaires. Et après, je voulais en fait encore impressionner en disant bon, moi j'arrive. Et du coup, j'ai fait comme ça, je suis parti en grand écart forcé. Et j'ai eu une rupture en fait de semi-membraneux tendineux droit. Et je me rappelle qu'il y avait en fait une touriste en fait dans la salle, japonaise, et elle m'a vu en fait en grand écart, moi qui, voilà en fait, vous savez en fait lorsqu'il y a une rupture, vous entendez en fait derrière en fait la rupture, et elle était devant moi, était en train de m'applaudir en fait pour le grand écart. Du coup oui, j'ai fait le grand écart, mais je l'ai fait pour une seule fois, et c'est pas répétitif. Eh ben merci, on va s'arrêter sur cette excellente anecdote, Youssef. Merci à toi. Merci beaucoup.